Migos est un groupe de hip-hop américain dont la valeur nette combinée s'élève à 80 millions de dollars. Fondé en Géorgie en 2008, les membres sont les rappeurs Takeoff, Offset et Kavo. Au cours des années de tournée, ils peuvent figurer parmi les artistes hip-hop les mieux rémunérés. Par exemple, entre septembre 2017 et septembre 2018, ils ont gagné au total 25 millions de dollars, en grande partie grâce à 93 spectacles en direct au cours de cette période. Tragiquement, un membre du groupe Takeoff a été assassiné en novembre 2022. Migos a été formé en 2008 par Kavo, né Kavius Keyat Marshall, Takeoff, né Kirshnik Kariball, et Offset, né Kiari Kendrell Cephus. Les trois membres sont en fait tous liés, Kavo et Offset sont cousins et Takeoff est le neveu de Kavo. Ils ont grandi ensemble dans le comté de Gwinnett, dans la banlieue d'Atlanta. À l'origine, ils appelaient leur groupe le Polo Club. Après avoir changé leur nom en Migos en 2010, ils ont sorti leur premier projet complet, la mixtape « Jug Season » en août 2011, suivi de la mixtape « No Label » en juin 2012. Leur percée a eu lieu en 2013, lorsque leur single « Versace », produit par Zaytoven, a atteint la 99e place du classement américain Billboard Hot 100. Le rappeur canadien Drake a renforcé leur reconnaissance lorsqu'il a remixé la chanson, en ajoutant son propre couplet et en l'interprétant au festival de musique iHeartRadio 2013. Versace a été réédité en tant que premier single de leur mixtape YRN, Young Rich Nigga, en juin 2013, qui a reçu un accueil critique positif. Spin a nommé YRN le 27e meilleur album de 2013 et le 6e meilleur album hip-hop de 2013. Versace a également figuré sur plusieurs listes de best-of de fin d'année, dont les 25 meilleures chansons de 2013 de XXL, les 50 meilleures chansons de 2013 de Complex, les 50 meilleures chansons de 2013 de Spin et les 100 meilleures chansons de 2013 de Rolling Stone. Les trois membres mènent une carrière solo florissante en dehors de leur travail avec le groupe. En plus de figurer en tant qu'artistes solo sur divers projets et morceaux collaboratifs, les trois membres ont sorti leurs propres albums solo. L'album « Kavo and Show » de Kavo est sorti en octobre 2018, « The Last Rocket » de Takeoff est sorti en novembre 2018 et « Father of 4 » d'Offset est sorti en février 2019. En septembre 2015, Migos avait quitté 300 Entertainment, estimant que Quality Control Music pouvait les gérer seuls et que cette décision augmenterait également leur source de revenus. Sous 300 Entertainment, ils gagnaient environ 30 000 à 40 000 dollars par émission, mais sous contrôle qualité, ils gagnaient plus de 60 000 dollars par émission. Selon Forbes, le trio de rappeurs rapporte désormais plus de 150 000 dollars par étape de tournée. En septembre 2016, le rappeur Kanye West a annoncé qu'il avait signé un accord de gestion avec Migos via sa marque Good Music, mais le groupe a déclaré en janvier 2017 qu'il n'était pas affilié au label de West. Entre septembre 2017 et septembre 2018, Migos a gagné au total 25 millions de dollars. Ce numéro a été produit en grande partie grâce à un programme de tournée épuisant qui a vu le groupe donner 93 spectacles sur une période de 12 mois. Ils sont l'un des groupes de streaming les plus populaires de la planète, avec 4 milliards de streams au cours de la même période. Ils génèrent également des revenus grâce à divers accords de parrainage avec des marques telles que Avian Jewelers, Beats by Dre et Chansport. En partenariat avec Can-Am Motorcycles, une subdivision de Bombardier, ils ont lancé la moto à trois roues Can-Am Ricœur 2019. Ils ont figuré dans des campagnes commerciales télévisées pour la marque de boissons gazeuses Mountain Dew et le détaillant de chaussures et de vêtements de sport Finish Line.